Good morning, allez, Iden et Susra aujourd'hui, le Nishma Janin Ruth Bat Fortune Mazal Fritna Liach, Ayabat Mazal Tov, Lucien Batraina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sefet Sota, Periktet, Mishnah Yud Gimel. Rabban Shimon Ben Elazar, Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, Atahara Nitla et Tam, Vet Reach, Avet Areach. Amasrot Natlu et Shomen Adagan. Je rappelle très rapidement maintenant, jusqu'à la fin de la Maseret, c'est ce qu'on va voir. Depuis telle époque, il y a eu tel malheur, misère qui s'est développé dans le peuple d'Israël, et ainsi de suite, d'accord. C'est des misères qu'on a maintenant depuis en arrière. On a commencé à cause de la Sota, depuis qu'on a les générations se sont détériorées, on a perdu que les eaux de la Sota avaient été vérifiées, après on avait parlé du Sanhedrin, et ainsi de suite. Et on avait parlé dans la mission précédente que depuis la destruction du Beth Amikdash, on a perdu le fruit des pérotes. Sur ça vient le goût des fruits. Le goût des fruits. Et la capacité de nourrir aussi, rajouter Rabbi aussi. Sur ça, on a Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, nous dit que Atahara Natla et Ata'am vet Areach. Il fait de l'ordre un petit peu. Il dit non, c'est pas qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash qui a été détruite. Le problème n'est pas. C'est une conséquence de ça, c'est vrai. Mais concrètement, si tu veux mettre le doigt exact sur la cause, c'est que Atahara Natla et Ata'am Vetareach, la pureté qu'on a perdue dans le Ham Israël, c'est elle qui a pris le bon goût et les bonnes odeurs des fruits. Ouais, et tandis que ce que tu as parlé, toi, Rabbi, aussi sur le Shomen Aperot, la capacité de nourrir, eh bien non, c'est Ve'amasrot Natlo et Shomen Adagan. Le fait qu'on ne donne plus le maaser, qu'on s'arrêtait de donner le maaser, alors c'est ce qui a fait qu'on a perdu le fait que ça nourrissait. C'est d'études de Passouk, tout ça. Concrètement, je me suis dit que le message profond de ces Mishnayot, c'est de nous dire, bon, c'est vrai qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus la pureté, et alors, bah, si on peut, autant que possible, tout ce qu'on a dans nos mains à faire pour rajouter plus de vie pure, plus saine, et ainsi de suite, et plus le prélever comme il faut, tout ce qu'on peut au moins prélever, et bien alors, ce sera à cause de bracha, pour au moins récupérer un tant soit peu ce qui a plu à cause de la tension du Beth Amikdash. D'accord? Je me suis dit, c'est sûrement ça le message de ces Mishnayot, dans quel est l'intérêt? Chacun il se lamente sur ce qu'on a perdu. Bon, d'accord? Alors, comme ça nous fait au moins quelque chose de concret à appliquer. Plus tu vas vivre Betahara, plus Hachem il va vouloir te vivre avec toi Betahara aussi, et te donner dans ce cas-là les choses pleinement avec leur bon goût, leur bonne saveur. Et ainsi de suite, pour le maaser, plus tu donneras autour de toi, et plus dans ce cas-là, tu mériteras de recevoir que ce que tu reçois, ça te rend sa vie. Ouais, par en quantité, en qualité. Et Vachachamim Omrim, et Chachamim rajoute Aznout Vakshafim Kilo et Akol, ils nous disent, tu sais, bon, il y a eu le Beth Amikdash, d'accord, il y a eu la Tara qui a disparu, mais le pire qu'il y a eu dans l'homme Israël, c'est Aznout Vakshafim. Le fait que les gens se sont dévergondés, dans le rapport avec les... D'accord, hommes et femmes. Aznout, Veakshafim, et le fait aussi qu'on... La sorcellerie, alors je ne sais pas ce qu'ils vont donner la sorcellerie concrètement aussi. Ouais, le recours à toutes sortes de moyens qui ont fait que Kilo et Akol, c'est eux qui ont détruit complètement tout, que maintenant on n'a plus du tout des fruits de qualité, on n'a plus du tout des fruits qui... De la nourriture qui nourrit pleinement. Et voilà, d'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.